طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma Ba'd. Donc on est aujourd'hui au cours numéro 46 et on est à l'explication du chapitre 14. Non, le chapitre 14 et on avait expliqué on a commencé à expliquer le hadith qui est rapporté selon At-Tabarani dans ce chapitre à la fin et on avait expliqué qu'il est daïf et c'est le hadith dans lequel on lit que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un munafiq qui faisait du tort aux croyants. Et certains d'entre eux ont dit, levons-nous et demandons l'aide ou cherchons le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre cet hypocrite. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on ne cherche pas le secours en moi, mais on cherche uniquement le secours en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a expliqué la première partie de ce hadith en ce qui concerne la définition d'un munafiq, qu'est-ce que c'est quoi un nifaq et les différentes catégories. Maintenant, on va continuer là où on était rendu. Le Cheikh Al-Fawzan il dit wa yu'zi, kana yu'zi al-mu'minin. Bima'na annahu kana yudayiq al-muslimin bi kalamihi wa bi tasarrufatihi wa yaskharu min al-muslimin. ويلتمس معايب المسلمين وينال من الرسول صلى الله عليه وسلم وينال من المؤمنين ويتتبع الأثرات فدل على أن إيذاء المسلمين من النفاق. Donc le chef il explique, il dit qu'il nuisait aux croyants, c'est-à-dire qu'il parlait mal à leur sujet et il leur faisait du tort par leurs paroles. Ou par ses paroles et par ses actions, par son attitude, il se moquait des musulmans et il cherchait à exposer leurs défauts, leurs défauts et certains défauts que certains musulmans ont en eux. Et ben lui, il cherchait chaque défaut dans chaque personne qui est musulman pour l'exposer. Et également, il essayait d'attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'attaquer les musulmans par sa parole. Et donc, il faisait beaucoup de formes de tort aux croyants et aux musulmans. Et il y a encore aujourd'hui, on retrouve des gens de ce genre. Ils vont critiquer, par exemple, les musulmans qui pratiquent l'islam et dont leur islam est apparent. Dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de parler, dans leur façon d'agir. Donc, il y a certains parmi ces gens-là, parmi les munafiqines aujourd'hui, qui font juste dire du mal de ces musulmans-là et de ces femmes musulmanes-là, et qui vont chercher à exposer ou à montrer leurs défauts et leurs fautes. Et ils ne regardent d'eux que le mal. Ils ne regardent d'eux que le mal et que les erreurs et que les fautes. Il y a aussi l'exemple des gens qui essaient de critiquer la da'wah salafiyya et les ulama salafiyyins et les salafis. Ils cherchent toujours les défauts et les fautes. Ça, en particulier, on trouve ça chez les mubtadi'ah.
on voit que par exemple ils vont essayer d'attaquer et chercher les défauts des salafis et des dirigeants des pays musulmans et des ulama. Et donc ça fait partie aussi des caractéristiques des munafiqins qui sont présentes chez certains mubtadi'a quand ils critiquent les gens qui suivent le Coran et la Sunna selon la compréhension des salaf salih. Donc le cheikh il dit فَقَالَ بَعْضُهُمْ وَلَمْ يُسَمِّ الْقَائِلِ وَقَدْ وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله عنه قُومُوا بِمَا نَسْتَغِيثُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يعني أستجير به ونحتمي به من هذا المنافق ليرضعه عنا ويكفه عنا ويكفه عنا. Oui, c'est ça. Certains d'entre eux ont dit, et le cheikh il dit, celui qui a dit ça, il n'est pas mentionné dans cette version du hadith, toutefois il dit que dans d'autres narrations, il y a la mention du nom de cette personne, c'est-à-dire Abu Bakr Siddiq, qui aurait dit, levez-vous, on va demander le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, on va lui demander de nous aider et de nous protéger contre cet hypocrite, hein, pour qu'il l'empêche et qu'il l'arrête de nous faire du mal. Après le cheikh il dit, والنبي صلى الله عليه وسلم استنكر هذه اللفظة فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. ومع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادر أن يرضع هذا المنافق وأن يغيث المسلمين من شره. بلى هذا من الاستغاثة الجائزة لأنه استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يقدر عليه وهو حي ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم تأدبا مع الله صلى الله عليه وسلم وتعليما للمسلمين أن يتركوا الألفاظ التي فيها سوء أدب مع الله عز وجل وإن كانت جائزة في الأصل فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أفرد وهذا من باب التعليم وسد الذرائع لأن يتطرق من الاستغاثة الجائزة إلى الاستغاثة الممنوعة فالرسول صلى الله عليه وسلم منع من شيء جائز خوفا من أن يفضي إلى شيء غير جائز مثل ما منع من الصلاة عند القبور والدعاء عند عن القبور وإن كان المصلي والداعي لا يدعو إلا الله ولا يصلي إلا لله ولكن هذه وسيلة من وسائل الشرك وكذلك هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر هذه اللفظة سدا للذرائع وتعليما للمسلمين أن يجتنبوا الألفاظ غير اللائقة فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر الاستغاثة به فيما يقدر عليه فكيف بالاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله وكيف بالاستغاثة بالأموات وهذا أشد إنكارا. الشيخ قلت que le prophète صلى الله عليه وسلم il a réagi d'une façon pour dire aux sahaba non, il ne faut pas demander le secours à moi, il faut uniquement demander le secours à Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'en réalité, dans cette situation-là en particulier, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était vivant, il était présent, il était capable de venir et de les aider contre cet hypocrite-là. Donc, le cheikh il dit, ça fait partie d'une istirata qui est permise, parce que tu demandes à quelqu'un qui est vivant et qui est présent, de te venir en aide et de venir à ton secours, et ça c'est pas, ça fait pas partie de l'istirata qui est shirk. Bien entendu ici le cheikh dit « فِيْمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ » donc qu'est-ce que cette personne-là est capable de faire, okay, quand tu demandes l'aide et son secours, donc qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et moi j'ai rajouté « وَهُوَ حَيْ » pour spécifier que c'est permis de demander l'aide du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans qu'est-ce qu'il est capable de faire durant sa vie. Mais après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam, on n'a pas le droit, bien entendu, de demander son secours. D'accord? Donc ça, c'était juste pour spécifier. Et après, le cheikh, il dit que, toutefois,
même si c'était pas, on sait que bon, à la base ce hadith n'est pas authentique. Toutefois le cheikh il donne l'exemple juste pour faire comprendre que toutefois le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani, pour nous montrer le bon comportement qu'on doit adopter envers Allah subhanahu wa ta'ala, et pour donner une leçon en même temps aux musulmans, d'abandonner les formules et les expressions qui pourraient avoir une fausse implication ou une mauvaise signification, d'abandonner cette expression-là, et de ne pas chercher le secours d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur aurait interdit de demander, de dire cette chose-là, de chercher le secours en lui, uniquement dans le but de fermer la porte à tout ce qui pourrait amener des gens à tomber dans le shirk, et aussi pour leur enseigner également que c'est uniquement dans Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit chercher le secours. Même si cette forme d'istirata ici, ça faisait partie d'une istirata qui est permise et légale dans la charia, mais c'était juste de fermer la porte à ce qui est légal pour éviter que quelqu'un tombe dans ce qui est haram par la suite. Et le cheikh il donne des exemples de ça également, comme il dit que, comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de faire la salat là où il y a des tombes. Et il nous a interdit également de faire des du'as là où il y a des tombes. Même si la personne qui va faire sa salat là où il y a les tombes ou le du'a, il fait uniquement son du'a ou sa salat pour Allah seul, pas pour les gens qui sont enterrés. Hein, il n'adore pas les tombes, il n'adore pas les gens qui sont enterrés dans ces tombes-là, il adore uniquement Allah. Malgré ça, c'est interdit de prier à cet endroit-là ou d'aller à cet endroit-là spécifiquement pour faire un du'a quelconque, pour éviter que par la suite ça amène des gens à tomber dans le shirk. D'accord? Donc c'est comme si pour fermer tous les chemins qui pourraient amener quelqu'un à tomber dans le shirk. Donc ce serait comme, le cheikh dit, ce serait comme un genre d'exemple de ce genre de choses qui nous empêchent de tomber dans ce qui est shirk, et c'est ce qu'on appelle en arabe sadd al-dhara'i, c'est-à-dire de fermer toutes les portes ou tous les chemins qui peuvent amener quelqu'un à tomber dans une forme quelconque de shirk, et ou de péché. C'est pas seulement pour le shirk, ça peut aussi être pour le péché. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, ne vous approchez pas du zina. Il n'a pas juste dit, faites pas l'acte de zina. Tout ce qui peut t'amener à tomber dans le zina, écarte-toi-en, éloigne-toi de cette chose. Que ce soit par le regard, que ce soit par la parole, que ce soit par l'oreille ou autre moyen. D'accord? Donc c'est un exemple de cette zara'a. Après, qu'est-ce qu'il dit? Le cheikh il dit, فَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكَرَ الْإِسْتِغَاثَ بِهِ أَنْكَرَ الْإِسْتِغَاثَةَ بِهِ فِيمَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَكَيْفَ بِالْإِسْتِغَاثَةِ بِهِ فِيمَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ وَكَيْفَ بِالْإِسْتِغَاثَةِ بِالْأَمْوَاتِ وَهَذَا أَشَدُّ إِنْكَارًا. وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْنَعُ من الاستغاثة الجائزة به في حياته تأدبا مع الله فكيف بالاستغاثة به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وكيف بالاستغاثة بمن هو دونه من الناس وهذا أمر ممنوع محرم وهذا وجه استشهاد المصنف رحمه الله بالحديث للترجمة. اوكي دونك الشيخ دي دونك si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rejeté ou il a dénoncé le fait que quelqu'un cherche son secours, donc qu'est-ce qu'il est capable de faire? Alors qu'est-ce qu'on peut dire alors dans ce cas-là pour celui qui chercherait le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce qu'il n'est pas capable de faire, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, c'est encore pire, ou celui qui cherche le secours des gens qui sont morts dans leur tombe, ça c'est encore pire. Et le cheikh il dit, وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, donc si le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit de faire l'istirata, de chercher son secours dans qu'est-ce qui est permis durant sa vie, dans le but de nous enseigner le bon comportement à adopter envers Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire alors du fait de chercher son secours après sa mort?
Et qu'est-ce qu'on pourrait dire que si c'est le cas pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire des gens qui sont en dessous du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qui sont pas au niveau ou au statut du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc ils méritent encore moins qu'on leur demande leur secours à eux aussi. Donc c'est ça. Et le cheikh il dit donc ça prouve que c'est une chose haram et interdite, et c'est ça que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a voulu démontrer en mentionnant ce hadith là dans ce chapitre. Après le cheikh il dit wa idhan fa qawl al-Busayri ya akram al-khalq ma li man aluzu bihi siwaka عند حلول الحادث العلمي إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم أليس هذا من أكبر الشرك؟ يقول ما ينقذ يوم القيامة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخرج من النار إلا الرسول صلى الله عليه وسلم علم الله سبحانه وتعالى ثم يقول أو ثم قال إن الدنيا والآخرة كلها من جود الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم اللوح المحفوظ وعليكم السلام ورحمة الله والقلم الذي كتب في اللوح المحفوظ بأمر الله هو بعض علم الرسول صلى الله عليه وسلم إذن يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب وهذه القصيدة مع الأسف تتبع بشكل جميل وحرف عريض وتوزع وتقرأ ويعتنى بها أكثر مما يعتنى بكتاب الله عز وجل فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لشيخ الماسير ensuite les certains versets de poèmes de Al-Busayri dans son poème qu'il a nommé Al-Burda. Et ce poème-là, il est récité par les soufis lors de la fête de Mawlid, la bid'a du Mawlid al-Nabawi. Et dans ce poème, il y a beaucoup de formes de shirk. C'est un poème qui est écrit par Al-Busayri comme une glorification du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, dans ce poème, il y a plusieurs formes d'exagération au sujet de la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui tombe même dans le shirk, dans plusieurs exemples et manifestations de shirk akbar. Comme le cheikh il mentionne quelques vers dans ce poème-là, qui dit « Ya akram al-khalq ma li man aluzu bihi siwak » Ô toi, la plus noble des créatures, je n'ai en dehors de toi aucune autre personne en qui me tourner pour demander la protection, excepté toi. Lorsque le grand événement général va se produire, c'est-à-dire probablement le jugement dernier. إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. Ça veut dire si tu n'es pas là ce jour-là, en me prenant par la main, alors c'est sûr que mon pied va glisser, c'est-à-dire je ne vais pas pouvoir avoir aucun succès. Et ensuite il décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant que parmi ces formes de générosité et les choses qu'il a données aux gens, c'est la dunya. فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا الدُّنْيَا, c'est-à-dire comme si la dunya est l'autre vie après la mort, c'est grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a donné, ça vient de lui. Et le terme qui était utilisé ici pour décrire al-akhirah, c'est wa darrataha. Et ad-darra, en fait, c'est le mot qu'on utilise en arabe quand un homme a plusieurs femmes, ben, la deuxième femme, par rapport à la première, l'appelle darra.
hein, parce que c'est comme une compétitrice avec elle, donc il l'appelle comme ça. Donc c'est comme si il appelle la dunya comme si c'était la première femme, puis l'autre vie c'est la deuxième femme, la deuxième épouse, pour dire que les deux elles s'aiment pas. C'est comme une sorte d'allégorie qu'il fait, comme pour faire une dans la poésie c'est courant des choses de ce genre. Mais c'est juste pour vous donner, parce que des fois dans le poème on utilise des termes, des images comme ça ou des idées comme ça pour exprimer un sentiment ou quelque chose comme ça. Donc c'est ça. Puis après il dit, parmi ta science, ou qu'est-ce qui fait partie de ta science, il y a la science des tables préservées et de la plume. C'est-à-dire, le cheikh il explique, il dit que Al-Busayri, il dit que personne ne va pouvoir être sauvé excepté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est uniquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pourra nous sauver au jugement dernier. C'est ça qu'il dit. Et que personne ne va pouvoir sortir de l'enfer excepté le messager. C'est-à-dire, personne ne pourra sortir de l'enfer. La yukhriju min al-nar. C'est-à-dire, personne va se faire sortir de l'enfer excepté grâce au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh dit, donc dans ce cas-là, ouais Allah, hein, en voulant dire, si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous sauve au jugement dernier, puis qui nous sauve de l'enfer, donc, en voulant dire, ouais Allah là-dedans. Non, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est ça. Si tu remplaces lorsque par exemple dans ce poème, on voit que dans ces vers-là qu'on a mentionnés, il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en réalité, comme le frère il dit, qu'est-ce qu'un cheikh aurait dit, que si tu remplaces Allah à ces endroits-là où il mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les vers auraient été corrects. Parce que c'est en Allah seul qu'il faut demander la protection, puis c'est lui seul qui peut nous sauver, et c'est lui qui possède la connaissance de Allah wa al-Qalam et de ces choses-là. Donc, d'attribuer ça au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si tu donnes au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam des attributs qui sont spécifiques à Allah et qui appartiennent uniquement à Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est une forme de shirk. D'accord? Et je me souviens une fois, j'étais parti à Multivision, le magasin Multivision, là. Hein, on sait que c'est leur manhaj, c'est Ikhwani, et ils ont toutes sortes de livres de Bid'a là-bas malheureusement, et parmi les livres qu'ils vendaient, il y avait ce livre-là, Al-Burda, avec même une traduction en français, et une explication soi-disant, une historique de l'origine de cette... de ce poème. Donc j'ai averti le vendeur au sujet de ce livre et je lui ai dit qu'il y avait des vers là-dedans qui contiennent des choses de shirk, et ça a pas semblé le déranger grandement. Donc c'est pour dire que ces gens-là, leur manhaj, il n'y en a pas celui des messagers, il n'y en a pas celui des sahaba et des tabi'in qui détestaient le shirk, et lorsqu'ils trouvaient quoi que ce soit de choses qui sont contraires au fondement de l'islam, que ce soit dans le Coran, contraire au Coran ou à la Sunna, ou contraire aux principes de l'islam et les fondements de l'islam, tout de suite ils le détruisaient, ou bien ils l'enlevaient, ils l'éliminaient. Ils ne laissaient pas ces livres-là ou ces choses-là à la portée des gens pour qu'ils les prennent ou qu'ils les qu'ils les lisent, et puis par la suite ils s'égarent à cause de ça. Il est responsable des livres qu'il vend. Yani, celui qui vend de l'alcool, ou qui vend, celui qui vend de l'alcool, ou qui vend de la drogue, ou qui vend d'autres choses comme du porc, il est moins pire que celui qui vend ce genre de livres. Parce que
ce livre-là il contient du shirk. Et le shirk c'est le plus grand de tous les péchés. Donc comment tu vas être d'accord avec vendre des livres qui enseignent aux gens et aux musulmans le shirk, et puis tu vas dire non je peux pas vendre du porc, je peux pas vendre de l'alcool. Hein? Ça c'est grave. Donc il faut se remettre en question pour ces gens-là par rapport à leur aqida, par rapport à leur compréhension de l'islam, et ils doivent craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Eh non, comme le frère dit, le musulman qui fait des péchés, il est meilleur que le mutadir ou que le mushrik ou yani, donc dans ce sens-là bien entendu. Ok, donc où en est-on? Ah oui, il dit donc que la dunya et l'akhira, tout ça, ça fait partie de la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui nous l'a donné. Et ça, ça vient de l'aqida des Soufia qui s'appelle An-Nur al-Muhammadiyya. Les Soufia, ils ont cette idée-là que Dieu a créé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec sa lumière. Il a pris une partie de sa lumière, il a créé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec, et selon eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'ombre. Hein, selon les soufis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'ombre. Selon qu'est-ce qu'il raconte au sujet des vampires aussi, les koufars, quand ils parlent des vampires, ils disent que si tu les regardes dans un miroir, tu vas pas les voir, ils n'ont pas d'ombre. Et alors, ils ont essayé de descendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce niveau-là. Et ils ont une histoire qu'ils ont inventée, qui n'est pas authentique du tout, qui n'a aucune isnad, aucune authenticité. Et ils disent que la première chose que Allah subhanahu wa ta'ala a créée, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a créé le monde pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les histoires qu'il raconte, il y a des hadiths comme ça, que soi-disant Adam aurait lu sur le trône que c'était écrit « La ilaha illallah, Muhammad rasulullah » Et là, après, il aurait demandé à Allah subhanahu wa ta'ala par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Allah lui aurait demandé pourquoi tu me demandes par le prophète, ou comment t'as su que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu pouvais me demander par lui. Il a dit parce que j'ai lu sur ton trône, la ilaha illallah Muhammad rasulullah. Et donc ça prouve que si tu as mis ce nom-là à côté du tien, ça veut dire que c'est comme important ou quelque chose comme ça. Et non, ça c'est pas vrai. C'est un hadith batil qu'ils ont fabriqué, eux les soufis. Et ça c'est dans leurs livres qu'on les retrouve, dans les livres des soufis. Ok? Et il n'a aucune authenticité ce hadith. Et non. Il y a ça, mais il n'y a pas juste ça aussi, le fait qu'il dit que sur le trône c'était marqué Muhammad Rasulullah, alors que il n'y a pas de preuve de ça dans aucun hadith. Et dans le Coran. Walaykum salam. Ah oui, ok. C'est ça. Exactement. Comme tu dis, aussi le frère dit que ça se retrouve aussi, cette parole-là, dans l'apocryphe qui s'appelle l'évangile de Barnabé. L'évangile de Barnabé qui est attribué soi-disant à Jésus. C'est soi-disant un des évangiles qui est apocryphe, c'est-à-dire pas reconnu comme étant inspiré par l'Église catholique, elle n'est pas reconnue. Et il y a des fois des musulmans qui donnent ce livre-là à des non-musulmans ou à des nouveaux musulmans pour leur montrer que la vraie évangile, c'était l'évangile de Barnabé, puis il y a la mention du nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dedans. Toutefois, dans cet évangile-là, il y a plusieurs choses qui sont contraires au Coran et à la Sunna, dans le sens, comme par exemple cette histoire-là qui est mentionnée, puis également d'autres histoires encore pires que ça. Donc, il ne faut pas prendre tout ce qui est dans ce livre-là, de faire attention que c'est pas tout ce qui est dans cet évangile-là soi-disant qui est vrai, d'accord? Subhanallah.
Donc le fait, il dit qu'il y en a certains parmi les soufis qui croient que ce nom-là, juste le fait de le prononcer, le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ça te sauve du châtiment de l'enfer ou du châtiment de la tombe, etc. Donc ça c'est des exemples. Donc ça c'est parmi les exemples de la aqida des soufis au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont contraires à l'islam, et également qu'il a ilm al-lawsh wal-qalam, ilm al-lawsh al-mahfouz wal-qalam alladhi kataba fil-lawsh. C'est-à-dire, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, qui mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qu'il a créée c'est la plume, et ensuite il a commandé à la plume d'écrire. Alors la plume a dit qu'est-ce que je dois écrire, et Allah subhanahu wa ta'ala a dit écris tout ce qui va se produire jusqu'au jugement dernier. Donc ça c'était 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Donc ça prouve que Allah subhanahu wa ta'ala a écrit avec cette plume dans les tables préservées. Et donc dans les tables préservées il y a la destinée de toute l'univers, de toute la création. Donc ça c'est ilm al-ghayb, par rapport à nous ça c'est le ghayb. Okay. Même s'il y a des soufis qui prétendent que leur cheikh il monte dans le ciel puis il va lire dans leur al-mahfouz qu'est-ce qui est écrit, ça c'est écrit dans leur livre que leur cheikh est capable de faire ça, mais là ils sont en train de dire que également le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il a cette connaissance-là du ghaib, et ça il n'y a pas de doute que c'est un mensonge, parce que le ghaib il n'y a personne qui le connaît excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et donc d'attribuer cette connaissance-là à une créature, eh ben il n'y a pas de doute que ça rentre dans le shirk. Le chef il dit, ouais, et cette qasida, en passant, elle est répandue à travers le monde musulman. Hein, et partout où il y a des soufis, il y a Al-Burda qui se récite. Et il y a même des sites internet où vous allez même avoir des fichiers audio de récitation de cette qasida avec des gens qui la récitent avec une belle voix, aussi avec des groupes de chanteurs qui sont réunis. Maintenant c'est devenu à la mode, les anachides, ouais c'est ça. Ils font des spectacles de chansons soi-disant islamiques dans leurs conférences. Il y a des spectacles avec des micros, des orchestres des éclairages. Mais il y a même des sessions de signatures d'autographes. C'est-à-dire après les spectacles, ils vont rencontrer les chanteurs, puis les chanteurs leur écrivent des autographes. Et ils ont des disques et des CD qui se vendent maintenant. C'est rendu, mais pas juste des clips. Ils ont des CD audio et des musiques. Et puis donc, c'est devenu comme, c'est comme juste en face, il y a l'église des Congolais, là, juste de l'autre côté, en haut du bar, en face de Jean Talon. Bon, à chaque fois que vous allez passer là-bas, vous allez voir la musique, la chanson et tout ça. C'est comme si ils ont dit, bon, on peut pas aller à la discothèque, donc on va amener la discothèque à l'église. Et donc, quand ils vont à l'église, c'est comme si c'est une discothèque à l'intérieur. Vous voyez, ils dansent. Pour attirer les gens. Donc c'est devenu comme ça, leur religion c'est devenu comme ça, allez comme ça là. Puis il y a des musulmans là qui veulent faire la même chose. Ils disent on peut pas aller à la discothèque, on va amener la discothèque dans la mosquée. Et donc quand vous les voyez dans leur mosquée, ils sautent, ils tournent en rond, ils se balancent devant, derrière, avec la musique, le drum, et il y a des chanteurs qui chantent en même temps. Et même des fois, ils tournent en rond hommes et femmes ensemble. Et ça, il y a des mosquées soufis à Montréal qui font des trucs comme ça. Et ils prétendent qu'ils sont en train d'appeler à l'islam. Oui, à Montréal. Donc, Alhamdoubillah, non, bien sûr que c'est interdit. Pardon? Mais c'est comme ça. Les mosquées de soufis, c'est comme ça. Donc, si tu vois, même ils ont leurs affaires qu'ils font dans leur mosquée. Si vous allez dans certains sites internet où il y a des fichiers vidéo, ils montrent leur célébration ou leur bid'a et leur pratique là qui est contraire à la sunna. Et si vous le regardez, que vous baissez le volume,
Ben, en tout cas, je ne peux pas dire ça parce que quand j'étais pas musulman, il y avait un groupe de rap qui avait fait une chanson qui s'appelait Jump Around. Ok. Et puis, qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Dans la vidéo, ils sautent tous ensemble en même temps dans la salle. Donc, quand tu regardes dans les vidéos de Sophie, hein, si tu baisses le son, puis si tu aurais mis ce rap-là, ça aurait été exactement la même chose. Yannick. Sautent en rond, Yannick. Donc, ils sont tous en train de sauter. Même le chef, ils sont tous en train d'encercler leur chef. Puis le chef est au milieu, et eux, ils sont tous autour, puis ils sautent. Et puis, ils se balancent de devant, derrière, comme ça, puis ils crient. YouTube, Dailymotion, ces affaires-là, vous allez trouver ça. Non, c'est parce que, regardez, bon, des fois, les chouïrs, les ulama, ils dénoncent ces choses-là, et puis ils montrent que ça, c'est des contradictions avec l'islam. Les gens, ils croient pas. Des fois, les gens, ils croient pas, ils disent, ah, ça, c'est des histoires, les wahhabis, ils sont en train de mentir, ils sont en train d'accuser les soufis de choses qui sont pas vraies. Mais là, tu peux le voir toi-même avec tes yeux sans même avoir à aller dans leur mosquée ou dans leur endroit où ils font ça. Tu le vois déjà, tu vas sur Internet, tu le trouves et tu peux voir avec tes yeux tous les égarements qu'ils ont dans leur religion, tu vois. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. Dans d'autres endroits, tu vois, ils se percent le corps avec des tiges, ils se couchent sur des feuilles de cactus, ils se mettent du feu sur le corps, puis toutes sortes de choses. Les shayatines, comme on a dit, les shayatines, ils les aident à faire ces choses-là, les djinns, les shayatines, et eux, ils pensent que ça, c'est des miracles. Donc ça, c'est juste pour montrer que ça, c'est des exemples de qu'est-ce que ces gens-là font et qu'est-ce qu'ils prétendent. Oui, ça fait partie de la aqidah. Et nous, bon, alhamdoulilah, l'islam, il est innocent de tout ce que ces gens-là ont inventé comme mensonge et comme égarement, mais c'est juste que souvent, quand personne dénonce ces choses-là, eh bien, c'est là qu'elles se répandent parmi la société dans les pays musulmans et même dans les pays non musulmans maintenant. Hein, c'est rendu que même ici en Amérique, des gens qui se convertissent à l'islam à travers soi-disant ces gens-là, hein, c'est comme on dit, ils rentrent par la porte, ils sortent par la fenêtre. Parce que ils rentrent dans l'islam par la porte, ils sortent par la fenêtre. Allah al-Musta'an. Parce qu'ils ne connaissent pas le vrai islam, c'est ça le problème. Ok? الشيخ يزي الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان أنكر على خواص أصحابه هذه الكلمة وقال إنه لا يستغاث به هذا في الدنيا مع أنه قادر على أن يغيثهم من المنافق فكيف يستغاث به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كيف يستغاث بمن هو دونه من الأولياء هذا أمر باطل والاستغاثة لا تجوز إلا بالله فيكون في هذا شاهد للترجمة باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره والمناسبة ظاهرة ولله الحمد والمنة وكل هذا من أجل حماية التوحيد وصفاء العقيدة ومنع كل ما يفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد الشرك لا يتساهل فيه أبدا والطرق التي توصل إلى الشرك لا يتساهل فيها أبدا أنتم تعلمون ماذا حصل في قوم نوح وأن الشرك حصل فيهم بسبب تعليق الصور والغلو في أولئك والغلو في الصالحين وكانوا في وقتهم لم يشركوا وعليكم السلام ورحمة الله ولكن صار هذا وسيلة إلى الشرك فيما بعد لما مات أولئك ونسي العلم أو نسخ العلم عبدت هذه الصور فالوسائل التي تسوهل فيها أدت إلى الشرك فالواجب علينا منع الشرك ومنع وسائله وأسبابه وأن لا نسمح بالألفاظ الشركية
ولا بأي شيء يفضي إلى الشرك وعلينا أن نحذر من ذلك صيانة للعقيدة وحماية للتوحيد وإشفاقا على المسلمين من الضلال والكفر والإلحاد فإنه ما حصل هذا الشرك في الأمة وما حصل هذا الضلال في الأمة إلا لما تساهل الناس في أمر العقيدة وسكت العلماء عن بيان خطر الشرك والتحذير من أسباب الشرك ورأوا الناس على الشرك وعبادة القبور ولم ينهوهم هذا إذا أحسن الظن بهم إذا أحسن الظن بهم وقلنا إنهم ينكرون هذا بأنفسهم ولكن ما قاموا بواجب الإنكار أما إذا كانوا يرون هذا جائزا فهذا كفر وشرك وكفر لأن من رضي به صار مثل من يفعله le cheikh il dit donc qu'il ne faut pas prendre en premier il répète qu'est-ce qu'il avait dit plus tôt au sujet de l'exemple du fait que par exemple les sahaba avaient demandé la protection ou le secours du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre ce munafiq à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il était vivant et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit on ne doit pas demander mon secours mais on doit uniquement demander le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala il dit ça c'est alors qu'il était capable de leur venir en aide contre ce munafiq. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire de ceux qui demandent son secours après sa mort? C'est encore plus grave. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire de ceux qui demandent le secours de ceux qui sont moins importants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les awliya et les salihin, ceux qu'ils appellent les saints. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est quelque chose qui est totalement faux, qu'est-ce qu'ils font? Et donc, on n'a pas le droit de chercher le secours d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce que seul Allah est capable de faire, et on n'a pas le droit de chercher le secours d'une personne qui est enterrée et morte, ou d'une personne absente, bien entendu. Et ça nous montre pourquoi le cheikh Mohammed Abdul Wahhab a voulu mentionner ce hadith dans ce chapitre en particulier. Et donc le cheikh il dit que c'est pour protéger le tawhid et la pureté de cette aqida et pour empêcher tout ce qui peut amener quelqu'un à tomber dans le shirk, même si c'est pas immédiatement que la personne ou que les gens vont tomber dans ce shirk, mais même si ça va être à long terme, parce que le shaytan il planifie à long terme quand il veut égarer les gens, il voit pas nécessairement qu'il veut faire tomber cette génération dans le shirk tout de suite. Mais il calcule dans plusieurs générations, dans combien de temps il va être capable de les faire tomber dans l'égarement ou dans le shirk. Et donc c'est pour ça que lui, il ne calcule pas comme nous. Et c'est pour ça qu'il faut prendre des précautions par rapport à ces choses-là. Le cheikh il dit, il ne faut pas prendre le shirk à la légère. Il ne faut jamais prendre le shirk à la légère. Toutes les voies qui peuvent amener au shirk, il ne faut pas les prendre à la légère. Vous savez ce qui s'est passé, le cheikh dit, vous savez ce qui s'est passé avec le peuple de Noé, comment le shirk est apparu avec eux, c'est du fait qu'ils accrochaient des images et des statues, et ils exagéraient au sujet des hommes pieux, et à leur époque, quand ils les ont mis ces images et ces statues, ils ne les ont pas adorées tout de suite, toutefois, les gens, après la mort de ces gens-là, les gens ont oublié la science et ils ont commencé à adorer ces images et ces statues. Alors, lorsqu'on prend à la légère les moyens, eh ben ça amène les gens parfois à tomber dans le shirk. D'accord, frère. Ok. Donc c'est obligatoire d'interdire toute forme de shirk et tout ce qui amène, tout ce qui est une cause au shirk. Et on ne doit pas accepter ou permettre aucune parole ou aucune expression qui contient du shirk dans cette umma. Et il faut avertir contre le shirk pour protéger la aqida et pour protéger le tawhid. Ok. Et aussi parce qu'on veut du bien pour les musulmans et on veut pas qu'ils tombent dans une forme quelconque d'égarement ou de kufr ou de déviation dans leur croyance. Parce que c'est comme ça que le shirk est apparu dans cette umma.
Hein, l'égarement est apparu dans cette umma parce que les gens ont pris les questions de croyance à la légère. Ils ont pris les questions de aqidah à la légère. Hein, c'est comme j'expliquais à un frère l'autre jour, je parlais avec lui de qu'est-ce qui se passait en Haïti. Parce que il y a comme, la da'wa en Haïti elle est relativement récente. Ok, ça fait pas très longtemps qu'il commence à y avoir une da'wa en Haïti pour l'islam. Et le frère me demandait est-ce qu'il y a des mosquées et tout, donc je lui expliquais un petit peu, puis je lui expliquais qu'il est arrivé, il y a eu quelques problèmes, parce que j'ai expliqué que le problème qui se passe maintenant en Haïti pour les musulmans qui sont là-bas, c'est qu'ils ont besoin de connaissances de l'islam, et qu'ils ont besoin soit d'envoyer des gens pour aller étudier l'islam, pour qu'ils reviennent enseigner les autres, ou bien que des musulmans envoient des gens qui ont de la science pour aller les éduquer, pour aller les enseigner au sujet de l'islam, et du tawhid, de l'aqidah et les règles de la charia, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Puis je lui disais que quand on a envoyé des livres là-bas à certains frères qui étaient là-bas pour qu'ils puissent les distribuer aux musulmans, au lieu de les distribuer, ils les ont gardés pour eux. Parce qu'ils se sont dit, ben, on va garder la science, on va garder les livres pour nous, comme ça, c'est nous qui allons avoir le plus de connaissances. Donc tout le monde va être obligé de venir à nous. Et j'expliquais ça à un frère algérien. Puis après, lui, il m'a répondu, il m'a dit, tu sais, cet exemple-là, ça s'est passé même dans nos pays, des choses comme ça, dans certains endroits où des gens qui sont arrivés, ils ont commencé à enseigner l'islam dans certaines régions, puis après ça s'est transmis comme de père en fils dans cette famille-là, comme si par la suite, même si le fils il n'est même pas pratiquant, même s'il ne suit même pas l'exemple de la sunna ou quoi que ce soit, mais du fait qu'il vient de cette famille, ça y est, il a reçu le titre hein, et le mérite de ce cheikh qui était son père ou son grand-père, et donc ils veulent tout faire pour essayer de garder la science dans leur famille pour empêcher que les gens sachent plus qu'eux, pour justement garder le contrôle sur le reste de la population, et ils veulent comme monopoliser la connaissance de l'islam pour l'utiliser comme un moyen de contrôle des masses ignorantes de musulmans. Et donc ça c'est grave de faire une chose pareille, parce que la science elle n'est pas là pour être cachée, et c'est la façon des juifs exactement, c'est la façon du shaitan de cacher la science pour essayer de contrôler les gens, au lieu de la diffuser. Et là, exactement, les tours soufis c'est basé là-dessus. Hein? Donc c'est ça, ils ont fait de la science un secret que seuls eux peuvent connaître, et ils laissent personne apprendre. Même que le frère, il disait que quand certaines personnes, par exemple, allaient pour enseigner, pour étudier le Coran, tafsir le Coran, il ne laissait pas les gens dépasser un certain nombre de hizb, ou un certain nombre de juz. Hein, arrivé à 10 là, par exemple, on disait, bon, ça y est, toi, c'est suffisant, tu ne peux plus apprendre plus que ça. Ouais, pour que ce soit uniquement eux qui soient hafiz Qur'an, etc. Donc ça c'est des exemples des actions du shaytan. Et donc ça c'est une des choses qui empêche souvent la science qui laisse l'ignorance se propager dans les sociétés musulmanes, puis par la suite qui laisse pénétrer le shirk. Hein, parce que partout où il y a du shirk, ceux qui sont en contrôle de la religion dans ces régions-là, ils en tirent un profit économique. Et du fait qu'ils en tirent ce profit économique-là, ils ne veulent pas s'en séparer. Et bien entendu, chaque chose est toujours reliée à ces raisons-là. Il y a toujours des intérêts cachés derrière. Donc c'est pour ça que quand on commence à appeler au tawhid et à expliquer aux gens la sunna et à éduquer les gens au sujet du Coran et de la sunna, parfois les premiers gens à combattre la da'wa sont justement ces turuq soufiya et ces groupes ou ces gens-là qui
se prétendent comme étant les défenseurs de l'islam. Et ils viennent et ils disent, ah, ces gens-là, ils vous ramènent un nouvel islam, ça, c'est qu'est-ce qu'ils vous ramènent, c'est les wahhabiyas, c'est hein, des trucs de ce genre, ça, c'est les saoudiens, etc., etc. Donc, c'est toujours pour essayer de d'éloigner les gens de la vérité, puis de les contrôler plus facilement dans leur ignorance. Donc, le cheikh s'est dit que, c'est à l'époque de Noé, comme on a dit, c'est comme ça que le shirk était rentré. Et ça, c'est parce que parfois les savants, comme on dit, le cheikh il dit, les savants se sont tus, ils n'ont pas dénoncé le shirk lorsque le shirk s'est produit. Et ils n'ont pas expliqué le danger du shirk, et ils n'ont pas averti contre les causes du shirk. Lorsqu'ils ont vu les gens en train d'adorer les tombes, ils ne les ont pas interdits de faire ça. Et le shirk dit, ça c'est seulement si on suppose que ils le dénonçaient en eux-mêmes. Tu comprends? Ça c'est seulement si on suppose que ces choses-là, ils considéraient eux-mêmes ces choses-là comme étant quelque chose de mauvais, comme étant shirk. Hein, ça c'est en supposant si on leur donne le bénéfice du doute. Parce que, qu'est-ce qu'on a remarqué parfois, c'est que non seulement ces gens-là ne dénonçaient pas le shirk, mais parfois ils voyaient ça comme étant quelque chose de permis, hein, et comme étant quelque chose de bien. Donc, ils ont été satisfaits du shirk. Donc, le shirk il explique que c'est pas suffisant juste de par exemple de ne pas être satisfait du shirk, c'est-à-dire non, plutôt c'est pas suffisant que quelqu'un dise en lui-même moi je suis contre le shirk si il ne le rejette pas, hein. لأن من رضي, c'est-à-dire ça c'est s'il le dénonce, ça c'est bien, mais si il dit qu'il est satisfait de cette chose-là, et bien là, il est comme eux, même s'il ne le fait pas lui-même. C'est-à-dire, quelqu'un dit, moi je ne fais pas le shirk. Mais il est satisfait de ce que les autres font de shirk, donc c'est comme si lui-même il l'a fait. Et ça aujourd'hui, c'est une idée que beaucoup de musulmans, ils n'ont pas compris ce principe-là. Ils disent, ah, moi je suis pour le pluralisme, je suis pour la... l'ouverture, la liberté de croyance, tout le monde a le droit de croire en ce qu'ils veulent, la laïcité, il y en a des musulmans qui vont dire qu'ils sont d'accord avec la laïcité, chacun a le droit de pratiquer sa religion, et c'est-à-dire on est satisfait de qu'est-ce que ces gens-là pratiquent comme croyance et comme adoration, qu'est-ce qu'ils font comme adoration. Et comme le chef explique, d'être satisfait du shirk, c'est comme si toi-même tu as fait le shirk, même si tu n'es pas d'accord. Même si tu ne le fais pas toi-même. Okay? Tu vois quelqu'un qui se prosterne devant une idole, toi tu es satisfait de ça, c'est comme si tu l'as fait toi-même. Tu vois quelqu'un qui fait le zina, tu es d'accord avec ça, tu es satisfait de ça, c'est comme si tu l'as fait toi-même. Tu vois quelqu'un qui boit de l'alcool, tu es satisfait de ça, c'est comme si tu l'as bu toi-même. Hein? Donc c'est pour ça que il faut pas juste dire qu'on ne le fait pas nous, il faut aussi le dénoncer, c'est-à-dire dénoncer ceux qui le font, et pas être d'accord, et pas être satisfait de ce que ces gens-là font. شيخ رضوان صلى الله أن يحفظ لنا ديننا وعقيدتنا وأن يجعلنا من الدعاة إليه بالحكمة والدعوة إليه والدعوة إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. On demande à Allah de nous protéger dans notre religion et dans notre aqida, et de nous faire parmi ceux qui appellent à cette religion-là avec sagesse, et qui appellent au chemin d'Allah avec sagesse, avec bonne exhortation, et qui discutent de la meilleure façon avec les gens pour les amener à la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ensuite on commence le 15e chapitre, الشيخ دي الباب الخامس عشر باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. Le chapitre 15, il n'y a pas eu de titre,
il n'a pas eu de titre pour le définir, mais on peut comprendre que c'est une suite de qu'est-ce qui a précédé, d'accord? Et ça continue le chapitre précédent. Le cheikh dans ce chapitre-là, il a mentionné une série de versets du Coran qui prouvent ou qui montrent la fausseté du shirk. Ok? Il mentionne comme premier exemple, أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ. Est-ce qu'ils associent à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui ne crée pas, ce qui ne peut rien créer et qui sont eux-mêmes créés et qui ne peuvent pas les secourir? C'est le verset 191 et 192 dans Surat Al-An'am. Ensuite, le chef il mentionne un deuxième verset qui Al-An'am, ici c'est mentionné. Vous c'est Al-A'raf. Et Akhi, anta ma indak? Ok. Ok, soit c'est Al-A'raf ou Al-An'am, on va vérifier. Ensuite, l'autre verset c'est Qawluhu. والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير الآية. ما يملكون من قطمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. C'est ça. Ok, alors c'est à l'A'raf. C'est une erreur ici. Alors c'est à l'A'raf. Ok. والذين تدعون من دونه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Ceux que vous invoquez en dehors de lui, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne possèdent même pas la pellicule du noyau qui couvre le noyau d'une date. Donc ça veut dire qu'ils n'ont le contrôle sur rien, ils ne contrôlent rien. Ça c'est le verset 13 en sourate Fatir. Ensuite, comme hadith par la suite, au fait sahih, an Anas radiallahu anhu, qala shujja an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa kusrat ruba'iyatuhu, fa qala kayfa yuflihu qawmun shajju nabiyahum, fa nazalat laysa laka min al-amri shay. Wa fihi an ibn Umar radiallahu anhuma, annahu sami'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. Donc qu'est-ce que ça dit ces différents hadiths? Le cheikh dit que dans le sahih Anas, c'est rapporté selon Anas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé à la tête le jour de Uhud. Et ses dents, quatre de ses dents ont été brisées. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comment un peuple pourrait avoir le succès alors qu'ils ont blessé à la tête leur prophète? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset, laysa laka min al-amri shay, c'est-à-dire, c'est pas, tu ne possèdes rien dans l'affaire, c'est-à-dire c'est pas toi qui as aucune décision dans cette affaire. Et après, il y a également une autre narration qui dit que selon Omar ibn, Abdullah ibn Omar, qui disait qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire lorsqu'il s'est relevé du recours
dans la dernière raka'a de Salat al-Fajr, il faisait un dua de Qunut après la défaite de Uhud, et il disait « Oh Allah, maudit un tel et un tel ». Okay. Et après, ça c'est après avoir dit « Sami Allahu liman hamida », après avoir dit « Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd », Allah subhanahu wa ta'ala par la suite, il a fait descendre « Laysa laka min al-amri shay », c'est-à-dire « C'est pas à toi que revient rien dans cette décision-là, c'est pas toi qui décide qui va être maudit ou qui va pas être maudit ou qui va être guidé ». Et dans une autre narration, c'est expliqué qu'il faisait des doigts contre Safwan ibn Umayya, wa Suhayl ibn Amr, wa al-Harith ibn Hisham, et Allah subhanahu wa ta'ala a descendu, a fait descendre ou a révélé par la suite « Laysa laka min al-amri shay ». Et dans une autre narration, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu, ou lorsqu'il a reçu la révélation du verset qui dit « Wa anzir ashirataka al-aqrabin », avertis tes proches, les plus proches de ta famille, il est allé pour avertir ses proches, hein, les gens qui sont plus près de lui dans sa famille, il les a réunis. « Ya ma'ashara Quraysh », hein, il dit « Oh, 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 les assemblées de, ou les gens de Quraysh, sauvez-vous-même de l'enfer », en voulant dire « Sauvez-vous-même de l'enfer », sachez que je ne pourrai rien faire contre, pour vous, je ne pourrai rien faire pour vous devant Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. Donc sauvez-vous-même de l'enfer, je ne pourrai rien faire pour vous devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il a appelé chacun individuellement. Il a dit, ô Abbas, son oncle, Abbas, fils d'Abdul Muttalib, je ne peux rien faire pour toi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit ensuite à Safiya, la tante du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alaykum salam wa rahmatullah, il a dit, je ne peux rien faire pour toi devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit même à sa propre fille, Fatima, hein, radiallahu anha, il a dit, demande-moi ce que tu veux de mes biens, de mon argent, demande-moi ce que tu veux, mais devant Allah subhanahu wa ta'ala, je ne pourrai rien faire pour toi. Donc, c'est pour dire que si c'est ça le cas pour les plus proches de sa famille, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut rien faire pour eux devant Allah subhanahu wa ta'ala, alors comment quelqu'un par la suite pourrait essayer de demander l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort et des choses de ce genre. Donc le cheikh Al-Fawzan, il va expliquer ça, tous ces versets et ces hadiths en détail, inshallah, oui. Mmh. Oui, ils ont tous été guidés, en fait, ils ont tous été convertis à l'islam par la suite. On va aller. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Naam. Sahih, sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik. Donc c'est comme, mais ça on va revenir hein, plus tard, on va mentionner ça inshallah. Pour le verset, le premier verset qui est mentionné, يُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا. On va essayer d'expliquer ce passage-là. Juste, on va expliquer, juste expliquer ce verset-là. Il y a beaucoup de ce qu'on va dire aujourd'hui, ou ce qu'on va dire maintenant à propos de ce verset, qu'on a expliqué hier. Donc, il y aura un peu de répétition, mais c'est toujours bénéfique, Inch'Allah. Cheikh dit, ça c'est comme on a dit dans Al-A'raf, il dit, ما في هذا الباب من الأدلة من الكتاب والسنة أراد الشيخ رحمه الله من سياقها بيان أدلة بطلان الشرك، لأن القرآن الكريم جاء بالدعوة إلى التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، وجاء بالنهي عن الشرك وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى.
Cheikh dit dans ce chapitre, il y a les preuves du Coran et de la Sunna que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a voulu mentionner comme preuve pour montrer la fausseté de ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, la fausseté du shirk. Et c'est ça, ça c'est un point important aussi quand on fait, quand on parle de da'wah et d'appeler les gens à l'islam, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent comme si quand tu fais da'wah, tu fais juste montrer aux gens, tu fais juste leur montrer l'islam et tu critiques pas leur croyance ou leur religion. Tu fais juste leur dire c'est quoi l'islam, puis tu critiques pas ce qu'ils adorent. Et ça c'est faux. Yani, la preuve c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il mentionne plein d'arguments pour montrer la fausseté de ce que ces gens-là adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ces choses-là qu'ils adorent en dehors d'Allah n'ont pas de pouvoir, ne peuvent pas créer, ne contrôlent rien. Et donc, ce qu'ils adorent est faux. Hein? Donc, c'est pas d'essayer de faire plaisir aux gens qui adorent des mensonges en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et de dire, oui, vous avez une bonne religion, votre religion elle est vraie aussi, comme notre religion. Ça, ceux qui pensent ça, ils n'ont pas compris grand chose à l'islam. En fait, ils n'ont rien compris du tout. Et donc le cheikh, il dit que, il mentionne donc les versets qui prouvent la fausseté de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le Coran, il est venu, avec la da'wah au tawhid, et l'adoration d'Allah seul. Et l'interdiction du shirk. Et c'est-à-dire d'adorer autre qu'Allah. Donc, le Coran ne fait pas juste appeler les gens à adorer Allah seul, mais en même temps, il montre aux mouchriquins les arguments rationnels pour leur prouver que tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est faux et ça ne mérite pas d'être adoré. فقوله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون هذا استفهام معناه الإنكار. ما لا يخلق شيئا أي هذا الشرك باطل بدليل أن هذه المعبودات من دون الله لا تخلق شيئا فهي عاجزة لأن الذي يستحق العبادة هو الخالق فالذي يقدر على الخلق هو الذي يستحق العبادة كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لا تجعلوا لله شركاء وأنتم تعلمون أن هذه الشركاء لا تقدر على خلق شيء ولا على رزق ولا على إحياء ولا إماتة فهي عاجزة. Le cheikh il dit, quand le cheikh il mentionne ce verset là, est-ce qu'ils associent à Allah subhanahu wa ta'ala ceux qui ne peuvent pas créer et qui sont eux-mêmes créés, hein, tout ce que les mushrikins adorent, c'est ça la réalité, que ces idoles là ne peuvent pas créer et elles sont elles-mêmes créées. Et donc ça c'est pour dénoncer, c'est pour dire, c'est pour montrer que ce qu'ils adorent c'est faux. Ok, et la preuve, hein, que ces choses-là qui sont adorées par les mouchriquins en dehors d'Allah, ne méritent pas d'être adorées, c'est qu'elles ne peuvent pas créer, elles sont impuissantes, elles n'ont pas de puissance de créer quoi que ce soit, hein, et donc elles ne méritent pas d'être adorées, parce que le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah le Créateur. Et donc celui qui mérite d'être adoré, c'est celui qui est capable de créer, et c'est lui seul qui mérite l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans plusieurs versets, comme le verset 21 et 22 dans Surat Al-Baqarah, hein, c'est le premier commandement qui est donné. Si tu regardes dans l'ordre, à partir du début du Coran, le premier ordre qui est donné, c'est ce verset-là dans Surat Al-Baqarah, vous les hommes, adorez votre Rabb, votre Seigneur, celui qui vous a créé et qui a créé ceux qui étaient là avant vous, pour que vous puissiez atteindre à taqwa. Celui qui a fait pour vous de la terre comme un tapis et du ciel comme un bâtiment, une construction, hein, comme un toit, oui, et qui a fait
descendre du ciel pour vous ou sur vous une eau et qui a fait sortir par cette eau toutes sortes de fruits comme subsistance pour vous. Donc ne mettez pas avec Allah des égaux alors que vous savez que c'est lui seul qui a créé tout ce qui existe. Donc c'est pour montrer que tout ce que les hommes peuvent adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne méritent pas d'être adorés parce qu'ils ne peuvent pas créer et qu'ils sont eux-mêmes créés. Donc ne prenez pas d'associés dans l'adoration alors que ces choses-là ne peuvent rien créer et ils ne peuvent pas donner de risques, ils ne peuvent pas faire vivre ni mourir, donc elles sont impuissantes, complètement impuissantes. كما في قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. Le verset 17 en sourate An-Nahl. Est-ce que celui qui crée est comparable à celui qui ne crée rien? Ne se souvient-il pas? Donc c'est pour dénoncer ou montrer la fausseté de ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala parce que ça ne peut rien créer. Le cheikh il dit فالذي يستحق العبادة هو الخالق. Le cheikh dit celui qui mérite l'adoration c'est le créateur. أما الذي لا يقدر على الخلق فإنه عاجز لا يستحق العبادة فكيف يساوى أو فكيف يساوي يساوي بين العاجز بالقادر أو يسوى العاجز بالقادر وكيف يسوى المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. Donc il dit comment on peut donc essayer de faire une égalité, de comparer, une comparaison entre celui qui est impuissant et celui qui est tout puissant, entre celui qui crée et le créateur. On ne peut pas les comparer. Après le cheikh dit وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Le cheikh dit il mentionne le verset 20 et 21 dans Sourate An-Nahl. Ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah ne peuvent rien créer et ils sont eux-mêmes créés. Ils sont morts, ils ne sont pas vivants et ils ne peuvent même pas non plus savoir quand est-ce qu'ils seront ressuscités. Donc ça c'est une réfutation claire de tout ce que, pour toute personne qui adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, des êtres qui sont enterrés, qui sont morts et ils croient que ces êtres-là peuvent leur venir en aide ou leur amener un bien ou leur éloigner un mal ou les protéger de quoi que ce soit. Et il y a un ayat que le cheikh n'a pas mentionné dans Surat Al-Furqan qui dit « وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. » C'est-à-dire, ils ont pris en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala des divinités, ils ont adoré en dehors d'Allah, ceux qui ne peuvent rien créer, et qui sont eux-mêmes créés, et qui ne possèdent pas pour eux-mêmes la capacité de faire un bien quelconque pour quelqu'un, ou de nuire à quelqu'un, quoi que ce soit, et ils ne possèdent pas la capacité de faire vivre, de faire mourir ou de faire vivre, et de faire ressusciter les gens. Donc, ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est complètement faux. C'est pas ce que ça signifie. C'est pas l'idée comme certains disent, ah, il faut respecter les religions des autres, il faut respecter leurs croyances, il faut pas les critiquer, il faut pas les insulter ou des trucs de ce genre. On n'insulte pas, on fait juste expliquer que ce qu'ils adorent est faux. Donc, il y en a des gens comme ça, ils disent, ah, mais vous respectez pas les croyances des autres. Non, mais on respecte la vérité, on ne peut pas respecter le mensonge. Comme je dis toujours, deux croyances qui sont contradictoires ne peuvent pas être vraies en même temps. Il faut qu'il y en ait une qui soit vraie et l'autre qui est fausse. Si une religion dit Jésus a été crucifié et il a été tué, et l'autre religion dit Jésus n'a pas été crucifié et il n'a pas été tué, est-ce que les deux peuvent être vrais en même temps? C'est impossible. Tu peux pas dire je respecte celle-là et je respecte celle-là en même temps. Parce que si tu fais ça, ça veut dire que tu respectes la contradiction. Et si tu respectes la contradiction, ça veut dire que c'est une personne illogique, qui n'est pas rationnelle.
Et la plupart du temps, c'est des gens-là qui prétendent être rationnels, qui parlent de cette façon-là. Et il y a des gens qui disent « Jésus n'a pas été tué ni crucifié », l'autre qui dit « Il a été tué, il a été crucifié ». Comment tu vas me dire tu vas être d'accord avec les deux en même temps? C'est impossible. Et ça, c'est juste un exemple de contradiction. Alors qu'il y a des contradictions sur tous les plans, hein, même sur la croyance, la façon dont ils conçoivent Dieu. Donc c'est pour ça que nous, on montre à tous les gens qui adorent quelque chose en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui suivent une autre religion que l'islam, on leur montre que ce qu'ils adorent est faux, contraire à la vérité, que c'est un mensonge, hein, et qu'on ne respecte pas ces genres de croyances-là, et ces genres de pratiques-là, et ces genres d'adorations-là. Si on respecte ça, ça veut dire qu'on est d'accord, qu'on approuve, qu'on est satisfait de ces choses-là, et donc on ne peut pas avoir un respect pour ces choses-là, ni pour ceux qui adorent ces choses-là. Ça, c'est très important de comprendre ça, surtout aujourd'hui, parce qu'avec l'idée de laïcité, des trucs de ce genre, que tout le monde a le droit, soi-disant, à pratiquer sa religion et faire qu'est-ce qu'il veut, et pratiquer et croire en ce qu'il veut, donc les gens ont l'impression que si tu critiques une autre religion, ça veut dire que tu insultes les gens, et que tu n'as pas de respect. Donc, il faut bien comprendre que la religion, c'est pas juste une affaire... comme on dit, sentimental, ou une question de goût. Hein. Par exemple, les pommes, et toi tu aimes les oranges, et les goûts, ça se discute pas. La religion, c'est pas de cette catégorie-là. La religion, c'est une question aussi, c'est pas juste quelque chose de spirituel. Comme certains, ils pensent que la religion, il n'y a aucune logique dedans. Tu peux pas du tout te baser sur la logique. Non, c'est faux. La base de la foi, quand tu dis par exemple de reconnaître l'existence de Dieu et de reconnaître la véracité du message des messagers, ça t'es capable de le reconnaître par ta raison, parce qu'il y a des preuves claires, rationnelles à ce sujet-là pour amener les gens à la foi. Même Allah, il utilise dans le Coran plusieurs preuves rationnelles à ce sujet-là. Mais une fois que tu as reconnu et accepté ces fondements-là et ces bases-là, avec ta raison, hein, mais là par la suite, tu dois soumettre ta raison à la révélation que Dieu t'a donnée. Tu ne vas pas par la suite essayer de juger la révélation avec tes passions et avec ce que tu prétends être une raison pour t'opposer à certaines révélations ou certaines parties de la révélation. Parce que là tu te contredis si tu fais ça. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre, il y a une logique à la base, hein, quand Dieu il dit qu'il y a un seul Dieu et qu'il est unique et que c'est lui seul qu'on doit adorer, ça c'est clair. Et quand quelqu'un vient par la suite et il te dit il est trois en un et tu as le droit de prendre des intermédiaires pour l'adorer, ça c'est quelque chose d'illogique, contraire à la révélation. Et donc tu peux prouver à quelqu'un que ça c'est faux, avec des arguments logiques, et avec des arguments également de la révélation, hein. Donc, ça prouve qu'il y a une logique dans la religion aussi, en même temps, et donc c'est pas juste une question de sentiment, ou de goût, ou d'émotion, ou de sensation. C'est comme s'il y en a qui parlent comme ça, qui disent « Ah, chacun on a eu notre développement, chacun on a notre évolution, hein, toi t'as ta vérité, moi j'ai ma vérité, chacun on a notre vérité ». Allez, non, il y a une seule vérité. Déjà, la vérité, ça veut dire qu'il y en a une. Que deux choses fausses peuvent pas, une chose fausse et vraie peuvent pas y aller être, disons, tu peux pas être d'accord avec, une chose peut pas être vraie et fausse en même temps, c'est ça ce que je veux dire. Deux choses peuvent pas être fausses et vraies en même temps. Vrai pour un et faux pour l'autre. D'accord? C'est ça. Exactement. Il y a des musulmans comme ça, ils pensent comme ça aujourd'hui, que chacun a sa vérité. Et ils relativisent la religion. Ils relativisent la religion. Dans le sens qu'ils disent, quand tu leur parles de qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran, ils disent, oui, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que ces gens-là sont des kuffars et des mushrikines. Ils disent, oui, mais ça c'est pour toi. Ça c'est pour nous en tant que musulmans. Nous on croit en ça. Mais pour eux, la vérité c'est pas ça. Ils disent, ouais.
C'est sûr qu'eux, ils ne croient pas en ça, mais peu importe qu'ils le reconnaissent ou non, c'est ça la vérité, et tu ne dois pas essayer de te mettre à leur place, dans leur croyance à eux, pour essayer de justifier leur mécréance, et leurs fausses croyances, et leurs erreurs, et leurs égarements. C'est de dire, c'est comme un frère qui m'a dit qu'il a parlé avec un frère dans son travail, il a parlé avec un musulman dans son travail, et il a dit à cette personne-là, ça c'est des, que les, en parlant des chrétiens, des juifs ou des autres religions, ça c'est des kuffars. Il a dit, mais non, t'as pas le droit de dire ça, moi j'aime tout le monde, je suis d'accord avec toutes les religions. Je suis d'accord avec toutes les religions, il a dit. Donc le frère il lui a répondu, il a dit, ouais mais, il ne croit pas au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne croit pas au Coran. Hein? Donc l'autre musulman il lui a répondu, il lui a dit, ouais mais nous on ne croit pas en leur religion. Hein? En voulant dire, comme c'est, eux ils ont une vérité, et nous on ne croit pas en leur vérité, donc eux ils ne croient pas en notre vérité, donc c'est normal. Tu vois? Comme si on pouvait relativiser puis mettre à égalité les choses de cette façon-là. Et ça, c'est bien entendu dû à l'ignorance des musulmans. L'ignorance de leur croyance et de leur religion, et l'ignorance aussi de la religion des autres, et de qu'est-ce qu'elle comprend et de qu'est-ce qu'elle implique aussi. Et ça, c'est souvent, c'est dû à cause du fait que les musulmans ont cessé de faire la da'wah. Et quand vous écoutez actuellement le message et le discours des groupes islamiques à Montréal actuellement, qui veulent soi-disant faire un dialogue avec la société québécoise, quand ils parlent, c'est pas des gens qui appellent les non-musulmans à devenir musulmans, mais ils font juste appeler les non-musulmans à dire « acceptez-nous, et nous on vous accepte, s'il vous plaît hein ». Donc, Allah al-Musta'an, c'est comme si ils sont prêts même à se mettre à genoux, puis à peut-être même les tirer par les pieds pour essayer de leur dire « s'il vous plaît, ayez pitié, acceptez-nous, aimez-nous, on est prêt à tout faire pour que vous nous aimiez, même à se mettre à quatre pattes, mais l'important, acceptez-nous tel qu'on est hein ». Il y en a même comme qui sont prêts même à dire « on va même pas mettre un hijab ». Apparent. On va mettre le plus petit, le plus mince hijab possible, que vous n'allez même pas remarquer que c'est un hijab, juste pour que vous soyez content de nous. Et on ne va pas se distinguer trop de vous. On va mettre cravate, veston, on va bien se raser, hein. On va tout faire pour vous ressembler, et comme ça vous allez nous aimer, et là vous ouvrez vos cœurs à nous, et on va être ensemble, des Québécois, Québécoises, hein, on va former, soi-disant, une société, etc. Non. Mm-hmm. Ah, ok, d'accord, ouais. C'est des ignorants. Non, c'est ça. Donc, c'est juste pour dire que, en réalité, ce discours-là, quand tu regardes, quand tu compares le discours de ces gens-là et tu le mets à côté du discours des prophètes d'Allah, comment ils appelaient les peuples à l'islam, on voit qu'il y a une totale différence, il y en a pas juste colossale, c'est comment je pourrais dire, ouais, c'est comme, disons, c'est comme le jour et la nuit, tellement c'est différent, d'accord? Du fait que les prophètes, quand ils arrivaient à leur peuple, il disait, croyez en Allah, acceptez la vérité, acceptez le message qui a été révélé d'Allah, hein, cessez d'adorer ce que vous adorez en dehors d'Allah, et vous allez être sauvés, et on va être, hein, non, c'est ça, il faisait pas leur, il allait pas, le prophète allait pas voir son peuple en leur disant, acceptez-moi s'il vous plaît, aimez-moi, je suis prêt à tout faire pour vous faire plaisir, et puis, on va être ensemble, etc. Même les mouchtiquins à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont même offert au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un deal, comme on dit en anglais, une offre, hein. Ils lui ont proposé de lui faire une offre que une année, les musulmans
allaient adorer les idoles avec les mouchriquins, et l'année suivante, les mouchriquins allaient adorer Allah avec les musulmans. Comme ça, tout le monde va être content, tu vois, chacun notre tour, hein, tout le monde va être heureux, satisfait. Allah, qu'est-ce qu'il a descendu comme verset pour refuter ça? Surat al-Kafirun. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَبِدٌ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. C'est-à-dire, oh vous les non-croyants, les kafirun, ceux qui avaient rejeté la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, je n'adore pas vos idoles, hein, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous, vous n'adorez pas Allah subhanahu wa ta'ala, vous adorez le tarout, le shaitan, et les idoles et les autres choses. Donc, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin de ce verset, il dit, lakum dinukum, à vous votre religion, la religion de shirk, que vous adorez vos idoles, et waliya din, din al-haq, din al-islam. C'est ça ma religion. Et vous, vous ne l'avez pas accepté. Acceptez-la, on va adorer Allah ensemble. Mais si vous ne l'acceptez pas, tant pis pour vous. Nous, on ne va pas participer à votre shirk. On ne va pas les mettre à égalité. Donc, aujourd'hui, il y a des musulmans qui lisent ce verset-là et qui l'interprètent dans son sens opposé. C'est-à-dire qu'ils vont dire aux koufars, « Lakum dinukum waliya din » en voulant dire, « Vous avez votre vérité, nous on a notre vérité. » Et ça, c'est le sens contraire de qu'est-ce que le verset signifie. Hein? Il, naam, le désaveu, naam, al-bara'a. Donc, c'est comme si ce verset-là, c'est un désaveu de la part des musulmans pour tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas un exemple de tolérance, comme certains essaient de l'interpréter. Et cette fausse interprétation-là, elle n'est pas récente. Elle n'est pas récente parce que même Ibn Taymiyyah, dans Majmu' al-Fatawa, le volume 28, une fois même je l'ai mentionné dans un des cours, il a réfuté cette idée-là qui avait été présentée par At-Tusi, un des Malahidah, hein, qui était à l'époque de Ibn Taymiyyah. Donc il avait prétendu que les Juifs et les Chrétiens avaient la bonne religion et donc il fallait les accepter, en essayant de se baser sur ce verset-là. Et bien entendu, il n'y a pas de doute que c'est une fausse interprétation du verset. Et il y a d'autres ayats dans le Coran qui dit, par exemple, li amali wa lakum amalukum, antum bari'un mimma a'budu wa ana bari'un mimma ta'budun. Il y a des versets comme ça dans le Coran. Il dit, vous avez vos actions, hein, si vous rejetez la vérité, vous avez vos actions, et moi j'ai mes actions. Hein. Nous on est innocents de ce que vous adorez, vous êtes innocents de ce que j'adore, etc. Donc c'est pour dire, d'accord, vous ne voulez pas accepter, ça c'est quand tu arrives au bout de tous les arguments. C'est-à-dire, tu as discuté avec le mouchik, tu as donné les arguments, tu as donné les preuves, tu as tout expliqué les choses avec le bon comportement, avec la bonne méthode, avec le mujadala billatihi ahsan, et avec le mu'iz al-hasana, et avec hikma, et tu lui as tout expliqué. Et après avoir tout expliqué ça, tu vois que le mouchtek il dit non, moi je crois pas à ta religion, je suis pas d'accord avec ça. Là tu lui dis, yani la kundino, comment il y a dit. Toi au jugement dernier tu vas arriver devant Allah, c'est lui qui va te juger et moi il va me juger moi. C'est pas à la fin qu'on dit bon ok, étant donné que vous n'êtes pas d'accord avec nous les musulmans, bon ben chacun. Ils ont même pas dit aux non-musulmans, on vous invite à l'islam, on veut que vous acceptiez l'islam, voici notre religion, c'est le tawhid, etc. Non, même pas. C'est juste leur parler pour leur dire, écoutez, ça ne nous dérange pas si vous acceptez pas l'islam, si vous acceptez pas la charia, vous êtes contre la charia, vous êtes contre tout ce qui est dans le Coran, ça ne nous dérange pas, juste aimez-nous, tel qu'on est, comme ça. Donc ça, c'est pas l'attitude des prophètes. Puis Inch'Allah, si c'est possible, peut-être je vais écrire un texte pour répondre à cette idée-là. J'ai l'intention de commencer ça, Inch'Allah, bientôt, juste pour expliquer c'était quoi la méthodologie des messagers d'Allah dans la da'wah. Comment ils appelaient leur peuple à l'islam et comment ils appelaient les gens à l'islam et par opposition à leur méthode à eux. Comment ils essaient de faire plaisir aux kuffars et ils s'adressent aux médias d'une manière lâche et hypocrite, contraire à l'islam,
pour, au lieu de montrer que nous, on a nos valeurs et notre religion, et au lieu de ça, ils disent, on est d'accord avec vos valeurs, on est d'accord avec votre notion de la laïcité, on est d'accord avec vos ci et vos ça. Vous savez, parmi les valeurs des mouchriquins, qu'est-ce qu'il y a? Parmi les valeurs des gens d'ici, c'est quoi? D'accepter l'homosexualité. Qu'un homme se marie avec un homme ou une femme se marie avec une femme. Donc selon eux, si par exemple un soi-disant citoyen, parce qu'ils disent qu'on est des citoyens, si un citoyen au Canada, il est musulman, il dit moi j'ai le droit, parce que je suis citoyen canadien, de me marier avec un homme, même s'il est un homme, il dit ça c'est les valeurs québécoises, donc il faut l'accepter, parce qu'on est d'accord avec nos valeurs. Quel musulman qui va agréer ça et qui va accepter ça, hein? C'est ça les valeurs de ces gens-là. La valeur de l'égalité, qu'un homme est égal à une femme et une femme est égale à un homme. Hein? Donc ça veut dire que si ta femme, du jour au lendemain, si une femme, du jour au lendemain, elle décide que, elle veut devenir chauffeur de taxi, ou bien qu'elle veut, je sais pas moi, devenir n'importe quoi qui est contraire à qu'est-ce qui est permis dans l'islam, en tant que citoyenne, elle aurait le droit de le faire. D'accord? Bien entendu, nous on dit non. Nous on se conforme aux règles de notre religion à nous. Et c'est ça ce qu'on appelle les musulmans à respecter et à suivre. Et ceux parmi les musulmans qui ne veulent pas respecter les règles de l'islam, eh bien, ils ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont contredit au Coran, ils ont contredit la Sunna, et ils ont contredit la compréhension des premiers musulmans de l'islam et de tous les savants de l'islam jusqu'à aujourd'hui. Donc, on ne va pas essayer de dire oui, chacun a le droit. Non, il faut expliquer que celui qui désobéit à Allah, il est dans le péché. Il mérite un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier. Hein, il est sous la menace du châtiment. Et que celui qui obéit à Allah et qui fait le bien, on espère pour lui la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala et on espère pour lui le paradis. Hein. Puis qu'on doit appeler et rappeler aux musulmans qui désobéissent à Allah, hein, que ce qu'ils font, c'est pas correct, qu'ils doivent revenir au droit chemin. Mais le point que je voulais faire en fait avec toute cette histoire, c'est que de pas être satisfait des valeurs et des croyances et des principes des koufars. Parce que même si toi tu te dis, moi je fais pas l'homosexualité, mais tu es satisfait des gens qui le font et tu es d'accord avec ces valeurs-là, ça disant, mais là ça veut dire que c'est comme si tu le fais toi-même. Hein? Et tu rends halal qui est haram, et ça c'est kofar. Hein? Ou d'autres exemples de ce genre. Hein? Donc c'est juste un rappel pour ces gens-là qui parlent au nom des musulmans, qui disent n'importe quelle fausseté, hein, que ces idées-là sont contraires à l'islam, et puis contraires au tawhid. Donc on va s'arrêter ici, puis samedi prochain, inchallah, on continuera à partir de ce point-là, pour expliquer comme il faut réellement les arguments pour montrer que le shirk, il est ceux qui adorent des idoles en dehors d'Allah et qui adorent quelque chose en dehors d'Allah, pas juste des idoles, hein, parce que comme on a expliqué déjà, le shirk, c'est pas juste d'adorer des idoles, même des êtres humains, hein, ou n'importe quoi, des anges, ou des awliyas, ou des tombes, ou n'importe quoi. Que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est batil. Donc, et après, Inch'Allah, on avance dans le livre, et puis vous allez découvrir au fur et à mesure tous les trésors qui sont renfermés dans Kitab al-Tawhid, qui paraît à première vue un livre très simple, et même certains parmi les gens de Bid'a ont essayé de le dénigrer, à cause de sa simplicité, mais ça c'est uniquement une preuve de leur ignorance et de leur éloignement du tawhid, parce que le cheikh, il a fait que mentionner les ayats et les hadiths
seulement comme une, disons, une base pour l'éducation. Mais, bien entendu, il faut les comprendre, ces hadiths-là et ces ayats. C'est pas juste de les lire. Donc, le but du cheikh d'avoir écrit ce livre-là, c'était pas juste comme, disons, mémorisez-les puis lisez-les. Non, il faut les comprendre aussi. Et c'est pour ça que les ulama ont écrit des shurouh, des explications de ces livres-là. La même chose que le Kitab al-Usul al-Salata. Il y en a qui ont dit, ah, ça c'est des livres simples, c'est écrit dans un style naïf. Hein. Mais quand tu regardes tout ce qu'il contient de ilm, des preuves du Coran et de la Sunna, celui qui dit que ça c'est un livre, un style naïf, c'est parce qu'il n'a rien compris à l'islam. Hein. Et quand tu lis l'explication de ces livres-là, là après tu dis, ah, subhanallah. Hein. C'est un livre qui a été écrit à la base pour les enfants, pour leur faire comprendre et apprendre la aqida. Hein. Mais tu vois que ces enfants-là qui mémorisent ce livre, ils connaissent mieux l'islam que les chouïrs de l'Azhar, les docteurs à l'Azhar par la suite. Quand tu leur demandes les questions sur l'aqida et le tawhid, ils vont répondre mieux que les chouïrs de l'Azhar. Donc c'est pour vous dire à quel point ces livres-là sont importants et que leur style peut bien sembler naïf à certains, mais qu'en réalité, ils sont remplis de science. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi.